Catéchisme de Saint Pie X, page 81. Nous sommes dans le Petit Catéchisme, chapitre 8, le mariage. Qu'est-ce que le sacrement de mariage? Le mariage est un sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ, qui établit une union sainte et indissoluble entre l'homme et la femme, et leur donne la grâce de s'aimer l'un l'autre saintement et d'élever chrétiennement leurs enfants. Le sacrement de mariage a-t-il quelque signification spéciale? Le sacrement de mariage signifie l'union de Jésus-Christ avec la Sainte Église, son épouse et notre Mère très aimante. Celui qui reçoit le sacrement de mariage, pardon, ceux qui reçoivent le sacrement de mariage doivent-ils être en état de grâce? Oui. Ceux qui reçoivent le sacrement de mariage doivent être en état de grâce au moment de sa célébration, sinon ils font un sacrilège. Comment contracte-t-on le mariage? Le seul moyen de contracter validement le mariage et licitement le mariage entre chrétiens est de le célébrer selon les rites de la Sainte Église. Fin du chapitre sur le mariage. La suite sera page 82, la cinquième partie sur les vertus théologales. Je place ce fichier dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.